Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le QG d'été. Absolument, aujourd'hui j'aborde mon visage. Pour une fois, je suis un visage découvert. Et j'assume complètement. Alors vous connaissez les voitures qui sont rabaissées trop masse? Déjà que tu lignes, car j'ai trouvé une page qui s'appelle Sepérist Indonésia. Qui rabaisse les scooters au point qu'ils peuvent même plus rouler avec rien. Parce que j'ai vu des trucs incroyables, c'est ça. Regarde. Et je sais pas pourquoi ils font ça, putain. Ils mettent des chaises dans une carrière pour chevaux. Apparemment, c'est une discipline, quoi. Indonésienne. Oh putain, j'avais pas vu le pneu avant. Regarde-moi ça, putain. Le pneu avant. Tu l'as vu ou pas? C'est le pneu avant d'un vélo. D'un vélo, putain, incroyable. Je suis sûr que vous connaissiez pas cette discipline. Attendez, je vous ai pas montré tout parce qu'il y a encore mieux. Regarde. Tu vois, c'est une discipline indonésienne qui consiste à mettre sa femme derrière. C'est quoi? C'est un scooter moto posé par terre avec des pneus de vélo. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois comment il fait le mec, il galère complètement. Il essaye d'avancer, je ne sais pas quel est le but, il y a tout le monde qui regarde derrière. Regarde-moi ça, c'est lui. C'est lui, regarde. Ah, je peux pas le mettre plus grand. Ah, je peux pas le mettre plus grand. Ah, je fais un zoom. Attention. Allez, tu vas y arriver. Mais pourquoi tu l'as ramassé autant? Ah, il fallait pas le ramasser comme ça, putain. Ah, je te jure, ils galèrent tous. Les trucs qui sont posés par terre, forcément, après qu'ils ont galère complet, regarde ça. T'as l'impression que c'est une parodie carrément, mais non, c'est vraiment un sport officiel. Attention, lui c'est le roi des acrobaties. D'ailleurs, moi ça comme il avance bien avec son scooter. Ah lui, c'est celui qui avance le plus vite. Ouais, quoi ça? Oh putain! Attention, lui il est un peu moins bon, regarde, tu vois qu'il va un peu de travers. Vas-y, bois un coup. Vas-y, réessaye. Oh les collègues, je te jure, ça me fatigue. Il y en a des milliers de vidéos comme ça, regarde. Oh putain, je galère, j'arrive pas à avancer, j'ai mon scooter, putain, c'est la merde. Putain. Bah oui, t'y arrives pas. Et putain. Regarde-moi ça. Ça me fatigue. Regarde, encore une fois. C'est jamais la même. Regarde, partie 11, parce qu'il y a 32 parties. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien les gars, parce que franchement, c'est une passion incroyable. Oh, c'est difficile de partir. Putain, j'arrive pas à m'arrêter tellement qu'il y a là. J'ai envie d'être plus clair, regarde. Il essaie de mourir de rire, c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Ah ça y est, ça marche bien. Alors, vas-y, encore. J'aimerais bien connaître les règles, moi. Si vous trouvez les règles, moi ça m'intéresse. Ah mais c'est ridicule. C'est ridicule, c'est officiellement ridicule. Putain. Ah putain. On dirait qu'il est en galère et t'as limite envie d'aller l'aider, mais non. C'est juste avant ça que passe. Regarde, comme il maîtrise la situation. Mais il se gare en plus. Il gère complètement. Ah, il est impressionnant. J'arrive pas à m'arrêter. Je me suis promis de faire la fin de la vidéo. Mais ça me passionne aussi. Et putain, je galère. La fumée qui fait en plus, la poussière, laisse tomber. Toi, t'es là-dedans, tu dis, mais putain, mais aidez-le. Après, je respecte à chacun sa passion avec quand même. Putain, les gars, expliquez-nous un minimum avant. Bon, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, on pourra faire une vidéo avec eux. Parce que franchement, ils sont géniaux. Ils sont géniaux, j'attends. En tout cas, à bientôt pour une nouvelle aventure. Hey, le mec, il passe son plein. Et il a juste fait le tour du parking.